Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui nouveau vlog. En ce moment ma tête c'est un peu la cata. J'ai attrapé un bouton ici en plein milieu. Là, mais ça va, il commence déjà à partir. Voilà, tête sans filtre. Du coup je me prépare un peu. Parce que même si je reste à la maison, j'aime bien quand même me préparer. Parce que je vous filme, je vous fais des stories, etc. Voilà. Alors, ma solution pour cacher mes boutons, ça c'est génial. C'est Too Faced qui fait ça, c'est un concealer, le Peach Concealer Matte. Et franchement, ça avec un pinceau, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Et c'est sûr, je le rachèterai quand j'en aurai plus parce que c'est miraculeux. Moi j'applique ça juste là où je veux cacher en fait mes petites imperfections. Hop, un petit peu là, là. Le menton c'est un peu la cata. Et là surtout... Donc là, il faut que je cache ça. Franchement, ça marche du tonnerre. Voilà, je prélève un petit peu avec le pinceau. Je mets dessus. Et après, ben, soit je mets mon fond de teint. Ou si je mets pas de fond de teint, je mets juste une petite poudre par-dessus. C'est quand même bien camouflé. Ça va. Hop, un petit peu au niveau des cernes. Et je sais même pas. Je vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui. Je vais juste mettre une petite poudre. Ma poudre préférée, c'est celle de chez Avril. J'aime trop. Et voilà. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu. Hier, j'ai fait la chambre de Gabin. J'ai passé toute l'après-midi à tout trier dans sa chambre. Je lui ai enlevé sa table à langer parce que ça fait très longtemps qu'il ne veut plus être sur sa table à langer. Donc du coup, ça y est, je l'ai enlevé. À la place, j'ai monté son petit bureau. Et j'aime trop. Elle est trop belle, sa chambre. Du coup, je vais vous montrer ça juste après. Alors voilà, bienvenue dans la chambre de Gabin. Donc, j'avais tout refait, j'avais enlevé il y a déjà quelques mois maintenant son lit de bébé pour passer sur un lit de grand. Donc on a pris un lit cabane. Donc on a choisi ce lit cabane qui vient du site Bellystar. Ensuite là on a mis, je vous ai montré sur Insta, mais du coup je lui ai mis une petite table de chevet. Et on a les mêmes dans la chambre pour nous aussi parce qu'elles sont juste trop belles en toile de jute. Je les trouve magnifiques. Donc voilà, du coup, on en a, nous, dans notre chambre, on en a mis une à Gabin. Ici, une petite malle pour ranger ses jouets. Hop, j'ai fait un gros tri aussi au niveau des jouets. J'ai trié deux cartons complets. Donc là, je suis en train de voir où je peux les déposer, si avec le contexte actuel, si je peux toujours les déposer ou pas. Ensuite, ça fait un petit moment qu'on l'a déjà. La petite tente, le tipi. Je l'avais acheté sur le site Alinea. Sa piscine à balles, je l'ai mis à l'intérieur. Là, c'est un tableau magnétique qui vient de Jungle by Jungle Kids. Ça, souvent, on me demande la petite bibliothèque. Elle vient de Amazon. Voilà. Ensuite, le petit meuble Jiffy sous forme de maisonnette. Et dedans, j'ai mis les Playmobil qu'il avait eu. Je crois que c'était déjà Noël dernier, à moins que c'était son anniversaire. Non, c'était Noël dernier, il me semble. Il aime beaucoup. Franchement, il aime bien les Playmobil. Ensuite, du coup, ici, on a enlevé la table à langer qui était là. Et j'ai monté son petit pur... j'allais dire puritre. Un mélange de bureau et pupitre. Voilà, son petit pupitre avec son garage hyper coloré. Hein. Et là... La chaise dénichée sur Le Bon Coin par une copine d'Instagram. Elle a réussi à en avoir deux et du coup elle savait que j'adorais, donc du coup elle m'a donné le bon plan, enfin elle les a prises toutes les deux, je suis allée en chercher une chez elle, j'aime trop. L'armoire, oh là là, j'ai failli tomber. L'armoire vient de chez Miliboo Design, c'est un site internet. J'ai tapé armoire enfant en fait dans Google et quand j'ai trouvé celle-là, ça a été le gros coup de cœur. Franchement, elle est canon. D'ailleurs, j'ai trié aussi tout l'intérieur, tous ses vêtements. Donc, j'en ai enlevé pas mal. Tout ce qui était 18 mois et 24 mois. Donc, je vais mettre sur mon Vinted, qui est Cindy City d'ailleurs. Donc, si ça vous intéresse. Et ensuite, ici, alors ici, il faut qu'on termine ce coin-là. Parce qu'ici, il y avait un cadre qui était tombé et qui avait arraché un peu le mur. Du coup, il faut qu'on le refasse ou alors on mettra un autre cadre devant. De toute façon, j'ai commandé des nouvelles affiches avec des nouveaux cadres. Je vous montrerai ça pour changer un petit peu. Voilà. Et puis, en haut, en fait, ici au-dessus de la porte,
J'avais mis une horloge. Mais en fait, ça sert à rien parce que gamin ne sait pas encore lire l'heure. En plus, ça faisait du bruit, ça faisait tic-tac. Donc du coup, j'ai mis ça. Ça vient de... C'est une décoration de chez Verbaudet. Et je l'ai trouvée super jolie. Donc voilà, parfait au-dessus de la porte. Et puis son petit panier à peluche. Voilà, voilà pour la chambre de gamin. Et après le room tour de la chambre... On va offrir un petit cadeau à Gabin. En fait, il y a la marque Spin Master qui nous ont demandé si on serait ok pour faire découvrir leur produit Pat Patrouille. Donc c'est des jouets Pat Patrouille que vous pouvez retrouver en ce moment dans les magasins justement. Et on l'avait, ma mère les avait repérés en plus sur le catalogue de jouets parce qu'en ce moment il aime bien Pat Patrouille. Donc il y a un gros camion avec un dinosaure et puis il y a aussi un gros... la grosse maison des Pat Patrouille en fait, qui tourne, etc. Donc je vais vous montrer ça, on verra sa réaction, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que tu regardes, gamin? Papa gris. Tu chantes? Pat Patrouille. Pat Patrouille. Pat Patrouille. Il va être trop content. Oh, regarde. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Un cadeau? Et c'est quoi? Papa-patrouille. C'est pas de patrouille? Pourquoi j'ai dit? Regarde. Regarde là. Il y a des voitures. Il y a des voitures, c'est la Pat Patrouille mission dino. Parce qu'il y a les dinosaures. Ah, voit des bleus. Et là c'est qui? Et Baba Bouillou du dos. Il voit des bleus. C'est qui lui? Baba Couille. C'est Pat Patrouille. Et voit des bleus. Avec la voiture bleue, on va l'ouvrir. Oui. Oui. Et regarde là aussi. Oh. Et que c'est un 4x4. C'est le 4x4 de qui là? Un papa couille. Papa patrouille. Oh, tu chantes la chanson Pat Patrouille? Pat Patrouille. Pat Patrouille. Pat Patrouille. T'es content? Et regarde derrière, qu'est-ce là. Que c'est ça là-bas? Un dinosaure. C'est le dinosaure. Waouh. Moi j'ai 9. Oui. Appuie. Hop. Hop là. Ça fait de la musique de Pat Patrouille. Wow. Tu es content? Attention, voilà, et appuie. Hop, attention, et maintenant tu appuies sur le bouton rouge. Appuie sur le bouton rouge. Oh. Appuie fort sur le bouton rouge, fort. Hop. Vas-y, appuie sur le bouton, appuie sur le bouton. C'est vrai? C'est pas... c'est maman ou c'est gamin qui appuie? Et ouais, oui. Bravo! Bravo! Le lendemain, nous sommes sur une petite activité d'Halloween. J'ai trouvé des masques comme ça à décorer pour 2€ chez Carrefour Market. Donc on fait ça, en même temps on fait des dessins. Il m'a fait trop rire parce que j'étais en fait j'ai dessiné un bonhomme et Gamin dessine dessus. Je vais vous montrer. Gamin dessine dessus hein, sur mon bonhomme. Il fait ça
Et je lui dis, c'est quoi ça? Et il me dit, c'est la couche. C'est la couche du bonhomme? Oui. Et voilà. Bon, il ne sait pas encore bien faire les bonhommes hein, tout seul. Pour l'instant, c'est pas ça, mais voilà. Chacun son rythme. Ah oui, là, c'est rigolo maintenant de faire glisser les feutres, c'est ça? Bon, et ici, comme vous le voyez, lorsqu'on reçoit des nouveautés pour notre e-shop CG Store, voilà, on installe tout ici pour dire de bien comptabiliser les stocks, etc. Et regardez-moi les merveilles de pulls. Ils sont hyper épais, en grosse maille. J'adore la couleur lila. Bon, le beige, ça, je suis tout le temps en beige. Gabin, laisse le chien. En ce moment, il ne fait que jouer avec le chien. On l'a en noir, forcément, en gris. Le bleu, il est magnifique aussi. Ce sont des gros pulls comme ça, à col roulé. Donc, parfait pour cet hiver. Des pantalons simili-cuir. Voilà, il y a pas mal de choses. Des blazers, des pulls sans manches. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse aller faire un tour sur notre e-shop cgstore.fr si vous voulez aller voir les nouveautés. Bon, et moi, je vais vous laisser ici parce que c'est bientôt l'annonce de Monsieur Macron. Voilà, on attend tous ce soir pour savoir ce qui va être annoncé. J'ai hâte de savoir, même si je sais que ça va être galère. On entend parler de confinement pour le week-end, etc. Enfin, voilà, il reste encore une heure pour attendre. Et puis voilà, j'espère qu'on s'en sortira quand même un jour de tout ça, parce que c'est vraiment pas évident. Et courage à tous, s'il y a des soignants, etc. Enfin, toutes les personnes qui sont concernées directement par tout ça, un grand courage à vous tous. Et puis, prenez soin de vous.